réponds à cette proposition. C'est en ce sens que je m'en ai mis sur mon site. Donc, la déclaration de l'ouvre. Je parlais de la prévue. Je parlais de la constitution. Donc, nous ne devons plus faire la prière. Nous avons le président
de CDRP, représenté par le président Kwasi Balanzin. Nous aurons tout à l'heure à la table des sciences le président de EBS, la jeunesse, bien sûr, représenté ici par Daï Nestor. Nous aurons le président de la jeunesse, la voix du peuple. Je vais dire ici représenté par Thierry Dubois. Ces quatre présidents vont s'asseoir. Mais derrière ces quatre présidents, il y aura également les présidents qui sont ici, des autres plateformes qui seront debout ici. Parce que l'air est grave, on ne peut plus s'asseoir. L'air est grave, nous ne pouvons plus nous asseoir. L'air est grave, nous ne pouvons plus nous asseoir. Donc ces présidents ont décidé de se mettre debout derrière les présidents des quatre grandes plateformes. Merci encore une fois pour tout. Merci. Merci. Les présidents sont en train de venir. Les présidents sont en train de venir. Je vois de loin. Les présidents sont en train d'avancer. Pour la Côte d'Ivoire, nous allons nous unir. Pour la Côte d'Ivoire, nous allons parler d'une même langue. Pour la Côte d'Ivoire, nous allons rester debout. Pour la Côte d'Ivoire, nous n'allons plus dormir. Pour la Côte d'Ivoire, nous allons rester debout. Je voulais donc annoncer ici les présidents des quatre grandes plateformes qui vont venir. Je vais dire le président de GPS, ici le camarade Touré Daouda. Monsieur Touré Daouda, le président Touré Daouda, le président de CDRP, Kwasi Balanzin, le président de EDS au niveau de la jeunesse, représenté par Daï Nestor. Je vais donc demander aux camarades d'acclamer et d'acclamer les présidents qui nous font, qui vont aller entrer. Ils vont aller entrer dans cette grande salle. C'est la salle de conférence. Du côté de l'RPA. C'est une journée historique. Un moment historique. Pour une journée historique. Le président a décidé de se mettre ensemble. Pour ne pas la mettre en plus. On décide de se mettre ensemble. Pour parler du même droit. On décide de se mettre ensemble. Pour parler du même droit. Thank you.
Et la lumière des organisations
qui demeure du milieu parlementaire. Oui, ce matin, notre pays en a, nous questions sur ce que nous devons faire. Vous, vous aussi, vous vous êtes tant de fois demandé à quand la fin de cette souffrance. À quand la fin de cette torture de ce régime. Qui vient en plus de l'arrestation en collaboration avec une justice aux ordres à décider de se spécialiser en violeur de la Constitution. Après avoir fini d'humilier des familles en les faisant dormir dans les cimetières, ils veulent maintenant nous priver de notre âme et de notre dignité en cette période où l'on se souvient de la lutte pour l'indépendance. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Une dictature n'a pas de concurrent à sa taille sans que le peuple, tant que le peuple ne se relève pour le défi. Disait Jean-François Mitterrand, ancien président français. Je répète, une dictature n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Disait François Mitterrand, ancien président français. Le moment est donc venu pour nous, peuple de Côte d'Ivoire, de relever le défi de la démocratie. Trouverons-nous à la savante Jadir dans l'opposition, c'est faire le champ de la démocratie. Face à Henri Bonaparte, il criait à la dictature. Face à Laurent Gbagbo, il a crié à la dictature. Or, chers frères et sœurs, si vous regardez bien, dans les faits, Alassane Dramane Ouattara cumule en une seule des actes et comportements antidémocratiques jamais vécus sous le régime d'Henri Bonaparte et de Laurent Gbagbo. Je ne vais pas le voir face à ce tableau plus que sombre. Nous n'avons pas le choix. Alassane Ouattara nous montre une seule voix, la lutte sans relâche pour la restauration de la démocratie et des conditions transparentes d'une élection. De ce pouvoir totalitaire et autocratique. Cette résolution se trouve dans notre déclaration que va prononcer notre ami et frère Daïd Estor, du roi de la jeunesse de l'EDS, que je vous invite à écouter religieusement. Merci, jeunesse ivoirienne, pour votre mobilisation et votre engagement. Les Ivoiriens sont divisés et vivent
dans une souffrance indescriptible, incapable au demeurant de satisfaire aux besoins fondamentaux des populations ivoiriennes, le chef de l'État s'est plutôt lancé depuis le 6 août 2020, et ce, à travers un discours censé s'adresser à l'ensemble des populations dans une périlleuse entreprise de confiscation illégale du pouvoir d'État par l'annonce de sa candidature pour un troisième mandat. Cela révolte tous les Ivoiriens, non seulement par rapport au caractère anticonstitutionnel de cette décision, mais aussi par rapport à son aspect immoral dû au non-respect de sa parole donnée. Vu l'urgence, vu la nécessité de sauver la patrie qui est en danger, vu la tentative éhontée de viol de la loi fondamentale qui s'assimile à un coup d'État, vu la haute trahison par le chef de l'État de son propre serment qui l'oblige à respecter et à défendre la Constitution, vu les articles 55 et 183 qui lui interdisent un troisième mandat, la société civile lance un mot d'ordre de protestation dès ce jeudi 13 août 2020. Dès ce jeudi 13 août 2020 sur l'ensemble du territoire pour s'opposer à cette décision qu'il assimile à une tentative désespérée de s'approcher au pouvoir. Dès lors, nous, opposition civilisée, qui défendons les valeurs liées à la démocratie, telles que le respect de la Constitution, nous, jeunesse des partis politiques d'opposition, regroupés dans nos différentes plateformes, décidons ce jour de soutenir le mot d'ordre de la société civile et demandons à toute la jeunesse de l'opposition, à toute la jeunesse ivoirienne, à tout le peuple ivoirien de se joindre à la dite société civile pour contester cette forfaiture de trône. Peuple de Côte d'Ivoire, il y a des moments comme celui-là où nous devons mettre nos intérêts partisans de côté pour défendre ensemble notre pays. Yes, levons-nous tous et de façon pacifique mais déterminée dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les campements, sur toute l'étendue du territoire, dès ce jeudi. Levons-nous tous de façon pacifique mais déterminée dans toutes les villes, dans tous les villages et dans tous les campements sur l'étendue du territoire dès ce jeudi 13 août 2020 pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, la nation nous appelle partout en Côte d'Ivoire. Répondez à ce mot d'ordre le jeudi 13 dès 6h par des marches éclatées et pacifiques sur l'ensemble du territoire national pour exiger le retour. Pour exiger votre retrait de l'Assemblée Ouattara sur la liste des candidats à l'élection présidentielle de 2020. Parce que la Constitution le lui interdit. Mobilisons-nous pour faire frais donc à cette candidature. Vive la démocratie, vive le respect de la Constitution, pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.